الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مش أخذ ça dans cette rédaction d'Allah تبارك وتعالى on va parler de certains signes de la fin des temps que vit notre communauté. Nous allons parler de certains signes de la fin des temps que vit notre communauté. Ahbab al-Kiram, mes chers frères, mes chers sœurs, ces signes qui sont dans le texte, je parle ici des signes de la fin des temps, ont pour objectif de nous faire comprendre. Merci beaucoup, Ngourdan Klossar. Sekou Mar Turkov, Youssouf Ba. Jentite di mande jido fi lannu gol ngol adunaw. Mande no do ne mifala yen jentite do moja. Immerende. Ma tammerende. Fala yen jentite di do di moja no. Vien tunjo ni tati arane den. Mio ataya de ade lanna paske katimu den do 1000 personi den fotda ade direktom. Déjà, on est à 250, ce qui est très rapide, mais il y a des tina. Alors, ça qui est moi, il y a un peu de temps, taho, concobédo, allemand, mais bien, et autour de. Que plus ils vont apparaître, plus le jour du jugement est proche. Cela signifie que ce bas monde, qui est éphémère, il ne va pas tarder à disparaître. Mes chers frères, mes chers sœurs, on va commencer, Inch'Allah. Ces quelques signes de la fin des temps que vit notre communauté par un signe que l'on voit aujourd'hui. Ce signe est le fait que de nombreuses personnes cherchent à nuire, à faire du tort, à faire du mal aux musulmans. Ça, ça fait partie des signes de la fin des temps. Que malheureusement, on est stigmatisé, montré du doigt, parfois dans le banc des accusés, comme vous le savez, injustement. Et ça, ça fait partie des signes de la fin des temps. D'après Thauban, le prophète a dit, les différentes communautés sont sur le point de se regrouper contre vous, comme se regroupent les gens qui mangent autour d'un plat. Une personne a dit, est-ce que la cause de cela est que nous serons peu nombreux ce jour-là? Est-ce que les gens ils vont chercher à nous nuire parce que ce jour-là, on sera peu nombreux? Le prophète a dit, ce jour-là, vous serez plutôt nombreux. Vous serez nombreux. Mais vous serez comme l'écume du torrent. L'écume du torrent, c'est-à-dire faible et méprisable. Allah va retirer des cœurs de vos ennemis la peur qu'ils avaient de vous et il mettra dans vos cœurs le wahm. Une personne a dit au messager d'Allah, qu'est-ce que le wahm? Le prophète a dit, l'amour de ce bas monde et le fait de détester la mort, et c'est rapporté par l'imam Abu Daoud. On voit ici qu'une parmi les causes de la faiblesse de la communauté musulmane, c'est quoi? C'est qu'elle est trop attachée à ce bas monde, au matériel, l'argent, le confort, le luxe, les voyages. On pense énormément au confort du corps, et malheureusement, je ne généralise pas, il y a beaucoup de gens parmi nous qui ne pensent pas au confort de l'âme. Ils ne font pas le nécessaire pour éduquer leur âme, pour se rapprocher d'Allah, pour prier comme il le faut, lire le Coran et le méditer et le mettre en pratique. Sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. Car par la grâce d'Allah, il y a toujours des pieux et des pieuses dans la Ummah. Mais, le. Merci et bienvenue à tout le monde. Partagez vraiment ce direct dans les plateformes de manière sincère. Pas pour le simple plaisir de partager, mais pour la nécessité et la pertinence de ce qui est en train d'être dit. Je rappelle que nous sommes vendredi. C'est un sermon qui est fait, mais qui est d'actualité. Suivons et écoutons très bien parce que aujourd'hui, le matériel a tendance à dominer sur l'humain, sur l'être humain, sur l'humanisme et sur la foi. Écoutons. On est
trop attaché à ce bas monde. C'est cette faiblesse qui a fait qu'aujourd'hui, ben, beaucoup de gens cherchent à nuire à cette umma. Comprenez Allah ibarik fikoum. Et si on veut le soutien d'Allah, il faut impérativement se réformer. Si on veut qu'Allah tabarak wa ta'ala soit avec nous, il faut impérativement revoir notre relation avec lui, Azza wa Jal. Ça, c'est donc le premier signe de la fin des temps qui a touché notre umma. Le deuxième signe, c'est le fait que le fort opprimera le faible jusqu'à l'avènement de l'heure. Et ça, cette phrase-là, elle est relatée dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, selon Aïcha radiallahu anha. Le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit « Ya'kulu shidaduhu di'afuhu hatta taqoum alayhim sa'a ». Le fort opprimera le faible jusqu'à l'avènement de l'heure. Et on vit ça aujourd'hui. On vit ça aujourd'hui. Le fort opprime le faible. Le riche opprime le pauvre. Celui qui a la force, il opprime celui qui ne l'a pas. Et ça fait partie des signes de la fin des temps. Il n'y a qu'à méditer autour de nous. Le grand qui veut opprimer le petit, le riche qui opprime le pauvre, le fort qui opprime le faible, alors que notre religion nous appelle à quoi? Nous sommes à 789. Veuillez partager le direct afin qu'on puisse le démarrer. À 1000, on commence, ou bien lorsqu'on atteindra le troisième point, on commence. Justice, l'équité, l'entraide. Je vais dire le troisième signe. Arrêtez, arrêtez, merendeng, mande gidi. L'an nukol aduna onko di woni ko bedo almami be woning eyo today. Ding mande gidi, ding alama gidi tawo gisi di ari hare ya ando ande kadi darngangal wata. O lintani en aranong moka immo ka hewti tammo wo ma ka timmuden wulure woy den fudda de life meden inshallah. Et pas le fait de profiter de son pouvoir pour écraser ceux qui n'en ont pas. Notre religion n'a jamais à place là, jamais. Troisième signe de la fin des temps que l'on vit, c'est le fait de ne plus se soucier de la provenance de notre argent. J'ai gagné de l'argent. Puis je me pose pas de questions. Est-ce que cette transaction était halal ou haram? Je me pose pas de questions. Est-ce que j'avais le droit de signer ce contrat ou pas? Est-ce que j'avais le droit de faire cet achat dans ces conditions ou pas? On a tout le temps des questions qui reviennent beaucoup. Le leasing, hein? Plein de questions sur les transactions financières, sur des contrats. Ces questions sont très importantes et malheureusement, certains musulmans, certains de nos frères, certaines de nos sœurs ne se les posent même pas. Parfois, il va arriver dans une transaction, elle est un petit peu douteuse, c'est pas clairement haram, il dit c'est pas grave. C'est vrai que c'est pas top ce que j'ai fait, c'est un peu limite, mais liche. Ça, ça fait partie des signes de la fin des temps. Et ça, ça montre que le cœur est mal entretenu. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et muslim, selon Abu Huraira radiallahu anhu, il a dit, une époque arrivera pendant laquelle l'homme ne se souciera pas de quelle façon il gagnera l'argent, de façon licite ou illicite. On vit cette époque. Tu le dis, mais ce que tu es en train de faire là. Ok, Alpha Omar Bari Biskrima, oui, on est à 1000. A'ouzou billahi samil ali mina shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبَّنَا عَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَانْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا نَافِعًا وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله
والرب أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Nous sommes le vendredi 22 décembre 2023. Il est présentement 17h passé de 26 minutes en temps universel. Nous voilà encore dans ce live improvisé qui n'était pas du tout prévu, Mais vous voyez déjà l'uniforme que je suis en train de porter et la casquette de frappe qui est déjà devenue comme une sorte de casquette culte. Le Front républicain pour des actions patriotiques vous appelle encore à cette communication. Vous appelle encore à ce live pour écouter les derniers développements et encore vous donner des informations sur ce qui est en train de se passer. De plus en plus, nous avançons vers la fin de l'année, de plus en plus encore, nous voyons des signes de la complexité de la gestion de cette transition, nous voyons encore la gravité, il faut oser le dire, de la gestion catastrophique de cette transition. L'État nous appelle, la responsabilité nous incombe de venir vous informer afin de vous alerter parce que ceux qui sont supposés le faire, ceux qui ont la lourde charge de le faire ne le font pas. Donc c'est à nous de venir vous alerter, attirer votre attention et en même temps vous sensibiliser sur ce qui est en train de se passer. Parce que les choses vont très vite, les choses vont tellement vite. Qu'il faut que nous aussi nous hâtons les pas. Il faudrait que nous aussi nous accélérons le rythme de notre communication. Afin que vous ne soyez pas laissés à vous-même. Afin que vous ne soyez pas dépourvus d'informations. Parce qu'aujourd'hui l'information est devenue une darée. Aujourd'hui l'information est devenue une nécessité. Une personne qui n'est pas du tout informée, c'est une personne qui est dépourvue aujourd'hui de moins. Parce que l'information, comme j'ai dit encore une fois, elle est capitale. Voilà pourquoi dans les pays de dictature, ils essayent de maîtriser cette information. Parce que quiconque maîtrise l'information maîtrise l'opinion. Et quiconque maîtrise l'opinion maîtrise la population. Voilà pourquoi cette opinion, elle est très importante. Et comme j'ai dit encore une fois, nous venons vous informer de l'évolution. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui est en train de se tramer, qu'est-ce qui est en train d'être caché à la population que nous essayons de vous donner ici. Et pour ce faire, nous avons deux points et des divers. Le premier point, c'est celui du discours de crise prononcé avant-hier, que nous avons d'ailleurs décortiqué hier avec vous, du CNRD et les efforts pour cacher l'ampleur des dégâts. Pourquoi tout cet effort? Pourquoi fournir tant d'efforts à cacher une vérité qui est aujourd'hui impossible de cacher plutôt que de faire l'effort pour informer afin de sensibiliser? Pourquoi? C'est la question qu'on se pose et aujourd'hui encore nous allons vous faire des révélations et attirer votre attention sur ce qu'on disait hier qui vient de se confirmer dans une communication faite aujourd'hui par M. Bernard Gomes. Deuxième point à l'ordre du jour, c'est du fétichisme et le syncrétisme culturel. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le fétichisme? C'est le fait d'adorer des fétiches. Et le syncrétisme, c'est le fait d'avoir deux religions à la fois. C'est le fait de mélanger des choses qui ne vont pas ensemble. C'est-à-dire, c'est lui qui a une divinité unique, l'unicité de Dieu. Et c'est lui qui associe cette unicité de Dieu à autre chose, donc qui fait du shirk. Qu'est-ce que cela a à voir à notre direct? Eh bien, que signifient ces statues dans les ronds-points, et que signifient ces rituels, que signifient ces sacrifices, entre guillemets, qui ont été faits hier dans la nuit, où on a immolé des bœufs, où on a égorgé, où on a, où on a maltraité des animaux, parce que c'est ça le terme. Pourquoi ce cynisme à ce niveau, et pourquoi des autorités qui se disent des autorités normales, pourquoi des autorités qui se disent musulmanes, parce que pas plus tard que vendredi dernier, on était en train d'inaugurer une mosquée. Pourquoi des personnes qui se disent, certes dans un état laïque, mais qui se disent en majorité musulmane, se permettent de faire une telle chose? Qu'est-ce que cela signifie et quelles sont les conséquences de cela, surtout à notre endroit, à nos populations, qui sont les victimes, qui sont les visées par ces sacrifices? Parce que, quoi qu'il arrive aujourd'hui, malgré la gestion catastrophique du CNRD qui est un petit clan, c'est nous les populations qui nous retrouvons à finalement payer les pots cassés. C'est nous finalement qui nous retrouvons dans le bourbier dans lequel ce CNRD nous a mis.
Pourtant, le 5 septembre, il nous avait promis monts et merveilles. Il nous avait promis la sortie de cette crise-là. Il nous avait promis le changement en émo. Et finalement, on se retrouve dans une situation pire que celle qu'on avait vécue. D'ailleurs, de mémoire d'homme, la Guinée n'avait vécu une telle situation de crise que lorsque la Guinée de Sékou Touré avait rompu ses relations avec l'extérieur. C'était l'époque où on parlait de l'attente en avant, avant l'arrivée du bateau, où un citoyen pouvait acheter une chaussure et attendre la paire de cette chaussure-là pendant plusieurs mois avant que cela ne soit livré, où les gens étaient obligés de faire leur propre produit de consommation, que ce soit en nourriture, que ce soit aussi en matériel de consommation, c'est-à-dire les vêtements, même aussi les chaussures. C'était encore une situation très dramatique, très catastrophique, très difficile. Pas étonnant que le CNRD qui nous a dit reprendre la Guinée dans les termes, dans les faits, là où Sékou Touré l'avait laissé, et qui ont voulu en fait redorer le blason de Sékou Touré et qui ont voulu en réalité que justement ce Sékou Touré soit réhabilité en quelque sorte. Vous comprenez donc la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous allons accélérer le rythme et justement vous parler de ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, surtout au sein de la Grande Muette? Haray ko sali mo don ko toli ka derol meden do ko top be didi e kunto e marin. Comment y a une yotere ding? Il est grand d'un no rendez-vous yo ding asewe. Kono yino me porno di do non, o yi kanyon kadi me arim wa dan den do live motawata. Hakunde annonce golmon e wadugol ngol foko minitaaji chapande tati jetti mi fala kanyon kadi yawnude modo tinna fi yo nanu ko hanu do nande kon parce que situation on woni hol binido e nati e sai motawata biji di no yawde tinna hidi yawde buri ka habbino den di don puisque non idi yawde prepare jama on be anda konno be happy torto tobbe di de marden den aranon ko konko tawata mamadi dumbu ya yawtino hecciankin hanki mi ari mi yawti en do wonda ma discours ma kon wodi ko be ta inerton wobbe sike ko samakala mi yeti en konko itta derton konko hanu no yawtu de ka tawno ka discours initial no derton e sali wolde fi argol fernatola ko non non be wadi piske ko ma wole ide ngandi no wodi piji tati di sudo tako fetere hettare e naunare ido di sudo tako si tampere ari hettare ari e fetere ari si dedo tati di ari di sudo tako. Donc CNRD non no fala no en sudo de konko tay sudo tako tampere de goni en mudun de awa gomu yalti wawli yawtere de mi fala yon hedi yon yumi jangang on do nanon de se ngi wi don tobere meden dimmere den baye wi ko ndum be woni e wakkilorade ni sudo gol konko tawata hande do no wayo se ko jettugol nange wi anu jungol suda nange tobere dimmere den en yawtay fi di ko be wadi do tawoji harako sirkuji di be woni e wadde din be tawbe do haray hibe gollitirde jalan be yimbe jalan do ko ndun no woni fi o jalan e ko ndun kadi woni jillu gongol sirkuji din e wi gongol kanyun kan no rewde Allah ko ndun enen haano de wadude en tant que citoyen par rapport e koko yuden hankin gaino wallina e Carrefourji hirsa in Carrefourji di tawata sanamuji tawno wada e der mudum fi en andu bombe be wondude e mudum anden kadi non ko ndun haano den jettude gollitiren fi koko be boni do wata sunju en ko ndun dun dartorte ko honno kadi battinirta kon ko wadete do mi jonna en do di gollitirden di tawata di gollitiri di lamugo burta yawugol yanu gongol gayni den e mabbe haraenen en sonjaaki si wi on en ara ka tobere tammere yewtendo fi piji di sella jabi konko tawata kon sori be ino noddita crise won do der ton kon do wadi si be nodditira da tawata hande do orange hari ay telephone fejjata e tammun dum en yewtay fi konko alen foka yewti pare ko dum do woni ko marden e yetti non Allah fota fota en jarni mo en torike mo no newni rani en fudda gonde jonde do yo holno en jonde nden de landi no moddiri yo hawrindi nan e sawaba wufina mi o sawaba mi hewtina mo e modon do no buri neworade so newnani landon do no yo newnan on onon gadi hawritugol e sawaba nanugol koko mi yewti do faamo hutoren en fo wonana mi nafa ko mi yewti ko wonana onon kadi nafa ko jenti don kon si dun do no wadi yetten kadi fahin Allah sabo ray ko kanko ni ko moddi e mede wato mawni fi an sifa wobbe moni yirde do eno ara mawni na fi am mi toriken wonen emble tayin jabu kanyun kadi yingo nada en do hanaten e bewre mi wolata ko dun commentaire ji moni yide no jawa do no mi wi irino mawni ne fi Allah taw mawni fi am sina do mintigi mi bewa yarami anda seitan ko bondo
ko moyino wala kiji kanko landa ki sabi ko landi ko andugol tum bafal no wodi sa holli mo bafal no wodi o aray o moyina sabi wala on laaki mo moddeda ko seriri yo moyo woni mo kanko seitaane donc watay ngudi tam mongal damal do watane yila taw mawnin fi am mawnin fi allah aw yimoni ko koy be fuddi ko jawnude do parce que be fala ka gonga o yo yaltini ah o yi be fuddi ke jawnude do goddum do aray onon wombe zero de pazon da bitane en ko page hombo be woni e dumannaade e mudum be woni e jawnude koy do ko du wadi so yiyay mi ara e page goto ara gestion on ko plus facile mi andasi mi wawa yide do ben tigi parce que mi do ko duma wada ko cross postage donc ko page ji tati woni do mi anda ko ndi e majji se be jawni moni koy ko non kadi jawni e welti koy ko jawni e cœur ji di moja parce que be ari der do be fala ka mi eto ngonga be fala ka e gonga o yaltu fu ka o hittinen do tinna non parce que de signala joni directeur do dan mine haray mi turiki Allah yo hawrin dingen sawaba yo wodin seitan e meden no wodin hakkunde funnange hinange amin ya rabbal alamin haray rapidement on nani ko ko be yewti do be ustaz be do be karmo ko be meden do kondu woni mandeji lannugo laduno be jonni do di bosko tatiji dimmi faala yen hittinge mudum aranon e majji be andini wonde no aduna on lanna julbe ben be wonay ben tawbe harafu hino hulani be haramo kala ino faala yenude e mabbe kala ino faala be dolude sahaba be landi ko no wadinta en dun non ko paske haray en duuda ne laa sallallahu alaihi wasallam wi o contraire haray en duudi ko woni haray en jogondira ko konko duudo den don hay e wadata wobbe go be wona hande kadi wombe jaloux e meden be wona hande kadi tawbe harahi be anyiri en sabo konko tawata harahi den hebude fere aranun dum dim mun dum be maaki maande lannugol aduna on kaka tawata yimbe ben hino hittini fi aduna on moja buri konko tawata kon hibe haani hittingol nu fi lahara mabbe on harebe yidi goddum on buri konko innete kon ko fi lahara on yangana gol lahara on hande do kanyun kadi se ndari koy dun wonde be make kanyun kadi ka tawoyta don dolu don dola on tawdo harako do ko mo ala dole mardo on hande kadi dola on tawdo ala e be hollo itammun dum parce que nane hadi ida ko didi ji dimi hawtindiri ko goto mi senditi don didi be maaki hara itammun dum katawo ita goddo o tefata ko woni nyamude kon konto ibi labugol kon ko woni nyamude ko donc e yidun don e tobbere aranen den ino batondiri sabu kon ko tawata hiden himmani fi aduna buri fi laharam hara mi firangen dun non tu wonande bembe nanali français en fop en andi fi hanki mi yewtuno on do kon ko tawata hara mamadi dumbo ya kupuno en der discours makko yimbe sikki hara mi wawlay tu woni mi hay platform ji go ka wobbe ay haawi yewtere anden wonde matola ko honno an andirda kon ko tawata harayno fejjude ton donc a fala me yetaadi am puisque tu es connu tout angida andi kon ko tawata harino discours mo tawata na ha yimbe buy andi fimu jonno mi do janganden do yen artu non e ko honnum fejjino tigi tigi e ngebi do audio fewndo yite nge ngubuno tigi atinobe arde wada intervention be wado no video live on video live mo be wadi don discours ko be wonno yewtude kon e waawi hendaade dun do pompier ben sera dit na live be wat no me be film no ko wonno fejjude kon hendi den dun do kambe tigi sapeur pompier ben be tawata wobbe mabbe hay e mayno apre ben arno be filmi dun don parce que yiti ngeng on tumange gaynali fettude e kivji go fettoy wobbe mabbe may bi fala non jangande on do o communication do mo tawata ko Africa Guinée wadi mo holla on do kanko Bernard Goumou yo mo taw moja to yimo do fi on andu ko mino e jangande kon bindi dingi di fandi me ko ndum o yewti der ton ko piji tati mi fala ye wattan do yila e mudum o yino net notre pays a été durement frappé aujourd'hui en regardant l'évolution de la crise je veux ici affirmer que nous traversons une tragédie dun do hino tawano en discours makon kanko mamadi dum parce que ko ndum be wadi puisque tola wouli ko be hanuno wolde kon hande kadi be artude non e sans discours on harabe wolali ko der ton ko parce que be fala ka crise yo jama on andu be fala ka panique wingi yo jama on fam jonno mi wi en koko be woni suudu de do be ala intérêt mudum kala wondo moy wajade kanko mamadi dumbo yo suudu yimbe be gona on be faljinimo o yi ka wadu den affiche meden on nagge sunna nonge gen zere kore nge tawata en yeltiti ke do image mudum habbe non to mam hewto do joni ka tobbere di mere mi yeto on non fiidi na ido ko ndu woni consequence majji kala be yimbe arnobe jiwi e nguti e wodo ko ndu woni talla lette kambe kadi ko be nabata ko ndu woni ko be woni en e tuninirde dun do tawa en sonjoto
yiltito toujours e communication makko kanko Bernard Gomu taw don ko kanko woni premier des ministres ko wouli ko Mamadi Hanou no wolugol ko mi wolani on fi mon hankin ka taw non ka discours initial ko be itti der ton ko be acci kanko yo wolu do ko on a wolu takati ko kanko woni toujours ka jullere ka discours do lang no mi wiri on non notre pays a été durement frappé. Aujourd'hui, en regardant l'évolution de la crise, je veux ici affirmer que nous traversons une tragédie. Tragédie dans le sens où la plupart de nos ministères ne fonctionnent pas. Première information, Mohano Don Andoude. Les services publics sont aux arrêts. Dans nos services publics, la plupart de nos entreprises publiques aussi et privées payent des taxes, payant des taxes, qui payent des taxes, sont à l'arrêt. Trois informations capitales. Et d'abord, monastère Yimabe d'Infop à la Goloude. Entreprise publique et privée. Hanouno di Golugol, tawa mbout yalta et moudou, behepa taxi di dingino dari handero. Le système de transport est également à l'arrêt. Cela veut dire que tous les Guinéens sont impactés. Oui, y'a une photo de mon lion, on ka. Banana rondon ka woni don. Kami holli on don sen on ko honno goddum produisirte gibe ka production ara ha ka tranka usine ara ka tranka ka transformation ara ka transport ha hewto e hande kadi non magasin ji din fi yeyugol mi yeti ko hanki meden jogino information ma me wonno jonnude image on tigi fi yon yu e wi den do no darno de be daro bal e tati pet. Parce que comment impacter que vous êtes taxé, comment impacter qu'on ko tawata kon leydi ni ndi daroto. Finalement ba jama on ala nanu di Allah kayu nani ko wonde nge yewde kon alhali go wadi ha joni non kambe tiki be dari ke be eddi ke be fuddi ke non yaltinde le yewtere ne min non be betta ma foro mabbe on jobi be fuddi ke non wadude dande nden dande de tawata sen aroy ka diverji joni. On nanay ko alen foka yobano kon fi mon communication mo yaltion parce que be hendaki mbudi di be habbino din be sikkuno a l'ampleur i degaji do fi kala nadi do fo be habbino si di wadi be hebay ballal si ba kon ko se ko touré wono kaleji din dimbi akwa malheur e bon be do kadi be habbino yo taw o tana do be heboray mo nafa be hebay faabo to be be tay non finalement faabo ngon arali be tay konko be sikkuno aray arali taw donc be fuddi ke yewtude mo kanko alen foka yo yalto wadana be yewtere mi yeti non ko gayno be lahude mi yeti non be gayni so njade gentite non yewtere makko kanko de yewti do ne are non joni e dernier paragraphe on ko yewti do kon woni pour moi le plus important o andini hande do on transport on darike parce que mi yeti non lagine a la voie aérienne à la voie maritime, à la voie ferroviaire, ko wodi kon foka ka leydi transportive. Wadi so yido be ni yo carburant on udite jonne camion jeren, parce que ko de camion je do circulata nyamete wawa iude intérieur ara Conakry, nyamete iwa Conakry ya intérieur. Donc don do woni chaîne d'approvisionnement. Si o do non chaîne darike hande kadi are murando fo darike. Ko andirto non ko kambe wadi kon ko essence on be yebe tappi na gasoil. Parce que be yobe vidi essence ha be gayni si be mi non be yahano e kanyon kadi non e ko ko be wadi do kon sikugol mabbe si hubbi be yeggiti fi kon ko wiyete kon boil over taw do bay lanki ke don yahi non kanyon kadi e kiwje lutudi e tawno be habbano ke hewtay dun do gentite non o dernier parti do wala situation est grave ko mama di duano wolude kon ka discours makko wolano dun non hanki non si don anditi mi yeti non mo duano wolde fi gravité situation oy na guinéen be ben yobe seru sentiron be habbo parce que moman ji wonde arde do din bi sattay mo yanon leydi la guiné ni sattay mo yanon o wolali ko no jentete no wolide do jangon non entre les lignes wolono wo de nombreux de nos compatriotes sont sous les décombres be wolano fi dun don kambe jama on ko tawata ko ngi wodi han joni be yaltina ka taw kalay umaji kalay birikije e kalay yite aujourd'hui nous ne savons pas exactement combien de guinéens ont perdu la vie. Kapeti ki be anda bila mobe woni jonnude on do ko bila woditi do fiu ko wadi ko be anda on to ko wadi do ko ko be sikano joni non mi fala en jenti to do rapidement parce que ko mami a kita on do mi fuddi ke ndade do message ji do wonde mabbe fala rutude directon jenti to don do ko feddi arnobe ben wadi
constamment be on fondo yite nge ngubbi pet jentite do ko be waddano en do nande ndiyam dan ko be woni dan e sarkude kon ka dun do ka der depot fewndo yite ngi hubbi pet ati be arde hewta be wobbe mabbe wadno be o video wobbe mabbe main o video do ko sortinobe der ton ka be doggi fewndo do yo fettitude ko ben waawi hendaade o video do jon jentite non ko be yowti ko les dépôts qui se trouvent dans le port. Mais le problème qui est là maintenant, c'est les conduites qui alimentent les dépôts du port. Est-ce que... Mais même si vous savez, quand le moment où il y a une femme, le bateau a déboté. Donc le bateau a déboté, le bateau a déboté. C'est ça que tous les jours j'étais en train de parler. J'ai dit, ici là, c'est le plus grand risque. Ici, on est en train de parler. On parle de ça. Nané, comme avertissement, comme avertissement, comme avertissement, comme même mardi, yontere au fait qu'il y a des rôles de film, comme gentité. Quand ton côté qu'on prépare avec l'identité. On va s'éloigner un peu parce qu'avec la chaleur, on va se risquer. Ça fait deux guides, fait non. On va se faire un peu de temps. On bateau donc quand on a dit parce que bateau wa awa vélo aïe moto tum burgita aïe moto aya bateau do yo hu utunta o elis kidin di foot do tourno de hao heba no sortora be debransa kala ko bransa no der ton ko hara yike ngen jabi donc wadu tum explosion on fait tum be andi go dum wadi be sorti be hebi ko on tan don tum be wawi wadu de be sorta bateau wa ngal be dirnangal kono wo o wombe do wo pa plus tard que mercredi yontere o fe yudo do hari be wadi reunion o avertisi be fi dun do o wolani be par rapport e danger risque wonno do der ton donc be wata wi di be andano ko der ton ko be andi pasa ko wonno der ton ko joni non i de ngarde ka tobere di mere parce que CNRD on wodi ka be suudi ko be falaka yo wolu be falaka kan yo andu on fop o yi bimbe do ba yon imme ke ko yi wudon ko o yi situation on par rapport e telefoniki din Orange tawete inete ko leader ko be do buri forude sifa dun do non wadu no nyande kude tan wadu no 5 septembre lande hoduno be fo takko pale on iwi 23 heures nyande wonno lo 4 o 5 septembre kodunobe ben fo kalum den nyande so landike be be yeto don hari den nyande sa ini da wadde appel ko échec d'appel wadaino lo 4 no yawde 5 wonno ben takko don fo ko numbe wadi ko o mo be nomi ka RPT do fewndo hande do wondo don ko wonno petio mabbe mo be gollindirno arno do hendi lingi communication ji din fop ka pale o dirutidi tay hande kadi sa ini da wadde appel o secours wa wataya de ko dum fop be wadono
yoni non den andi weekend no yaade nata do senner de yida weekend jede senner de dayer weekend jede mojjanabe nabe yidaade weekend jede mojjanabe mi alerta do ono jamaa hidon andi ti fewndo senner de immino yehi zere kore kabe waduno conseil des ministres tournant hidon andi ti ko zere kore be ati yaade ido mandi ti o image ka be yawno zere kore do be jetti nagge be ukinga e der ngayka be hirsi be hibbi karbiran e mum be sunni do ngandi ti dum ido ngandi don to ma idi amina ad no zere kore ka ido ngandi ti kami arno mi firani en ko ndu woni nagge la he ka der mythologie e ka théologie ko honnum firisi a hoydi nagge ngella gesi ko dane he ko honnum firi si ko lahe ko honnum firi don anditi dum mi yewti non fim mi andini on non nagge ko jamfa me nagge ngeng en tant que tel ko nge symbolise ko ngurdan ko nge symbolise ko wonki ko nge symbolise ko hitande iden anditi annabi yusuf fewndo wonno ka kaso lando on hoyduno wonde ma nai sembudi e nai horidi ino nyama impudi hekkidudi e impudi yorudi hami eski kanyon dun don ko firi kanyum bile ben ko wawno firude don ko andini wonde ma naidin ko hitane naidin ko firi ko ngurdan dan dun do ko rappel tu wonde e wadude joni no ndare do ngen nagge ngebe ukuno ka der ngayka don be sunni nge wuri e yigo wadi do ko kanyum kadi do ngandi ko jelo sumi do ino wuri idon andi ko wonkiji jelo itado ko jinnaaji mabbe di wewnobe be waduno mi atira do non attention modo moja e konko wiyete kon sirku e konko wiyete jalam bone mudun on hewtata wonbe wadde bentum hewta e wadube ben hewta e wada ben e hore mun sibe wattana lila mi janganino en ayo nyande go yungangal hule on fitna on bone tawdo so ari o hewtata ben tawbe ben ko tonyube bentum o hewta kanyon kadi hay ben tawbe tonya kono sabu ko be jodi don ko be yi tonya den ko rappel go wonde nge wadude kono jentite la modja ko moni on e yewtude ko okay ko annabi yusuf si ko annabi musa mi wi mi faljo ko annabi yusuf mi fala no wiide mudum kono ko mi wi on ko neddo mo falje merci beaucoup pour la correction no mi wiiri en non seitanuji din on to ma wi no be jettube wada kon ko be wadi dum kono hino do kondo woni bone gollidugol e seitane kadi kondo woni inconvenient talla lette wadugol konko seitanuji di wi ayma ya wadu ko konko tawata njandi fandi si di wi ma ya wadu goddum na ya ndaru konko wadda don kon ko konko tawata a wada ni fi mudum ko dun do wona e ndare de ka Allah ko do wadi si hajjun kebe yehi makka hina konko be wallini ngingari bali be hirsi don wona ndare de paske Allah kanko inati e wumaji on nyamata hewtatamo naji je maji on kadi hewtatamo ko hewtatamo ko konko tawata kombe wadi rifi mako kanko ko dun don woni ndarude ko dun si o wi ba'da billahi minash shaitani rajim ka suratul hajj la yanala laha luhumuha wala dima'uha hewtatamo kanko Allah konko wondon e hirsude don tebbeli mudum hina kadi jije mudum woni hewtatamo jinnaji din non kanyun ko contraire kanji sa yetti a wallina ni di goddum a hirsi ko kanji wadanda sabu non ko wadanda di ko non njandi fandi Allah kanko ko wama ndarande honnum ko ko tawata kon a dofti kedi a yi yaadu majjo donc wonen poku attention be yimbe jalando be arino be wadino taw statistiki be wadi di rompo enji din fop en wawli en noddi lik islamikon en inni be hani wawlugol be inna dun do ko sanamoni be yaltali be wawli dun ko gibi fewndo messi alpha conde lamu messi alpha conde ngo wadana no hay fanga damma dun hadali lamu ngo yanugol be hirsanano kambe kadi na isifani dun hadali be yanugol en yido ko mo be inata lion bangura ka yawno ka der mayo e der bato o wallini on tuma kanyun kadi nagge o hirsinge dun fop e yi joni non be do kanyun kadi be fu itike golle mabbe de no be wallini di na ido ni e di kari forji be hirsi ko ni kadi be wallinirte kambe kadi be hirsire goto goto ko hakkundeji mabbe kanyon kadi be hirsindirta mare moja mandi to dun ko moni wode do ko inshallah paske cheitanuji di be woni wadande din si awadi konko tawata weltinta Allah
a yeddiri Alla sabu goddum ko kun sabu hun kun yeddirda Alla ko don kadi tanama on iwrirta mi fillito si a wadi ko weltinta Alla kon a rewi e goddum ko konko rewda don e mudum waduda konko tikkinta Alla ko don kanyun kadi Alla rewnirta tanama da on fi ya hebu tampere maada de aussi simple que ça joni non onom etawbe mi yi on ka videoji don ara hendo di naido tajita kunte mudum hidon andi ko ndu wola no haadi di tajita hidon andi di siko inde Alla di hirsirano kako inde din seitanuji di be woni wadande dum do donc jibe won don nyaamude so nyaami de jibe do ande tana on si aru yonon kadi on heba e gebal je vais dire ça en français pour que l'ensemble des Guinéens comprennent la gravité et le danger de ce que ces gens-là sont en train de nous faire. Et ils sont déjà souillés à travers le fétichisme qu'ils sont en train de faire depuis leur arrivée au pouvoir. Vous avez tous vu ce jeune qui s'appelle Michel Lama, qui était dans une tenue de fétiche, qui était venu au palais pour déloger M. Alpha Condé. La suite, vous la connaissez. Cette crise mentale qu'il a eue, due à ses fétiches, et vous avez vu la crise dans laquelle le CNRD nous a mis, tout simplement parce que le masque Nimba, c'est d'abord des fétiches, et tous ceux qui sont en train de faire, vous vous souvenez tous de cette vidéo qui s'était déroulée en Guinée forestière, quand le CNRD s'était déplacé lors du conseil tournant, les conseils de ministres tournants, à l'intérieur du pays. L'image horrible que vous avez vue, insoutenable de ce bœuf noir qu'on a égorgé et qu'on a mis dans un trou sur lequel on a versé du carburant. Et vous avez vu comment cet animal-là était en train de gémir dans cet incendie. Et c'est la même chose qui s'est passée au niveau de ce dépôt de carburant. Vous comprenez donc que les choses n'arrivent pas au hasard. Le châtiment corporel, la cruauté infligée à cet animal, c'est ce que le CNRD est en train de subir aujourd'hui. Si les gens ont oublié, nous n'avons pas oublié. Et à l'époque, nous étions sortis pour avertir et alerter et dire que les conséquences de ce qu'ils ont fait là, ça va se retourner contre nous, population, contre toute la Guinée, parce que nous avons fait du syncrétisme culturel. Le CNRD nous fait croire qu'ils sont des musulmans sincères, qu'ils sont en train d'adorer un Dieu unique, alors qu'en réalité c'est du tape à l'œil. Voilà pourquoi la dernière fois nous sommes montés au créneau, dénoncer l'attitude du secrétariat des affaires religieuses, plus particulièrement l'affaire, la Ligue islamique, qui sait qu'il n'y a que de Dieu que Dieu. Elle sait très bien, cette Ligue islamique, que le comportement du CNRD n'est pas un comportement qui unifie Dieu. Au contraire, c'est des gens qui sont en train de faire du syncrétisme. Et aujourd'hui, ces bœufs qui sont en train d'immoler dans ces ronds-points, ça symbolise justement ces offrandes qu'ils sont en train de faire à l'endroit de leur fétiche. Si ça ne tenait qu'à eux, libre à eux, quand le châtiment corporel viendra, quand le châtiment divin viendra, ça sera sur eux que ça va s'abattre. De la même façon que ce qui est arrivé au dépôt est l'une des conséquences de ce qu'ils ont fait à cet animal-là. Ces militaires qui étaient en forêt, qui avaient fait à l'époque des offrandes pour calmer l'ardeur des forestiers, pour ne pas qu'ils se rebellent contre l'arrestation de monsieur, contre le procès du 28 septembre qui devait s'annoncer. Et aujourd'hui, ils sont en train d'égorger ces bœufs dans des carrefours stratégiques. Ils savent qu'à partir de ces carrefours, il peut y avoir des émeutes, il peut y avoir des mobilisations, il peut y avoir une déferlante humaine. Et vous, citoyens que vous êtes en train de venir prendre ces carcasses de ces bœufs qu'ils ont égorgés sans prononcer le nom de Dieu. Et vous savez que quand une offrande est faite, quand un sacrifice est fait, si ce n'est pas fait pour le compte de Dieu, pour Dieu et d'une manière sincère, ça devient un poison contre les personnes qui consomment ce sacrifice. Ce ne sont pas des sacrifices qu'ils sont en train de faire. C'est des offrandes qui ont été recommandées par leurs fétiches et par leurs marabouts qui sont en train de vous souiller. Sachez que lorsque le châtiment viendra, vous tous qui avez consommé ces bœufs, vous allez avoir vous aussi votre part. Et c'est là la gravité. Parce que non seulement vous qui avez consommé cette viande illicite, vos prières ne seront pas du tout exaucées.
Vous allez être souillé de la même façon que quand une souillure attrape une partie d'un peuple. Voilà ce qui était arrivé au peuple israélite. Parmi eux, il y avait des gens qui étaient souillés, souillés par une malédiction, cette malédiction qui a été provoquée par une désobéissance envers Dieu. Et c'est ce que le CNRD est en train de vous faire, pour ne pas que nos prières soient exaucées, pour que nous soyons dans le même banc d'accusés qu'eux. Voilà pourquoi ils sont en train d'immoler au nom de leur fétiche ces deux. Et vous, vous venez, vous prenez ces viandes, vous les amenez dans vos familles, vous les consommez. Sachez qu'il y a une épidémie qui va s'abattre sur les Guinéens, compte tenu de cela. Comme à l'époque de Moïse, les 10 plaies qui étaient infligées à Pharaon risquent encore de s'abattre sur nous. Déjà, ce déluge de feu ne vous suffit pas? Ces catastrophes, les tremblements de terre, les boues et tout ce qui s'ensuit, ça ne vous suffit pas? La sécheresse, les calamités, les catastrophes naturelles, ça ne vous suffit pas? Cette crise économique aujourd'hui, ça ne vous suffit pas? Nous venons de sortir d'Ebola, nous venons de sortir de Covid. Tout cela, ça ne vous suffit pas? Parce que vous êtes en train de montrer votre famine et c'est ce que le CNRD veut. Sachez alors que l'heure est grave. Lorsqu'ils égorgent ces bœufs, ne touchez pas ces bœufs, laissez cela pour les charognards. Justement, parlant de charognards, ils veulent vous transformer en charognards, en animaux, pour ne pas que vous soyez lucides. Vous savez, le charognard, lui, il ne chasse pas. Le charognard, lui, ne vit pas une vie aisée. Il n'a pas une vie digne. Le charognard, lui, il vit dans les cieux. Et puisque lui, il ne mange que ce qui est déjà pourri, soit par maladie, soit par accident, ce sont les carcasses d'animaux morts, abandonnés dans la nature que les vautours se nourrissent. Ces vautours se nourrissent de cela. Voulez-vous être ces charognards? Voulez-vous être ce peuple qui ne produit pas? Voulez-vous être ce peuple qui ne travaille pas pour son compte? Voulez-vous être ce peuple à qui on donne? Vous ne voulez pas être ce peuple-là qui lui aussi donne, qui vit dignement? Vous voulez être comme ces charognards? Qui de vous aimerait qu'on l'appelle charognard ou vautour? Certes que personne d'entre vous ne voudrait pas qu'on l'appelle ainsi. Et pourtant, la symbolique de ces offrandes, c'est cela. Que vous vous retrouvez dans cette posture de charognard. Que vous soyez des animaux plutôt que d'être des humains. Voilà la symbolique de ce que le CNRD est en train de vous faire. Parce que finalement, si vous regardez la vie d'un charognard, vous ne voyez jamais le charognard se battre pour sa dignité. Vous ne voyez jamais le charognard vivre normalement comme le vivent les autres animaux. C'est soit il est d'abord, il n'est pas en train de vivre comme un oiseau normal. Il n'est pas non plus, parce que les oiseaux, ça se nourrit de grains, de céréales. Or, cet animal-là, lui, il est carnivore. Il ne mange que la viande. C'est en réalité un vampire, ce charognard. Voulez-vous être des charognards? Certes que non. Alors, arrêtez ce comportement moyenâgeux. Arrêtez ce comportement dégradant. Avilissant, ce n'est pas du tout digne de votre part, peuple de Guinée. Arrêtez de vous comporter de cette façon-là. Allez vous jeter sur un... Savez-vous ce qui est mis dans ces animaux? Imaginez si on a mis du poison dans ces animaux par injection, quelques minutes avant que l'animal ne meure, on l'égorge et vous, vous venez prendre cette viande. Avez-vous imaginé cela? Avez-vous pensé à cela? Parce que le CNRD veut aujourd'hui nous mettre dans des difficultés afin qu'on ait quelque chose sur quoi penser. Rappelez-vous du temps de Ebola. Quand Ebola était venu, on ne parlait plus d'élection. Quand Ebola était venu, on ne parlait plus rien d'autre que comment survivre à la situation. Et cet Ebola avait coûté nos voisins, la Sierra Leone, et ça s'était éparpillé aussi au Libéria. Rappelez-vous de cela. Connaissez-vous l'origine de cette maladie? Saviez-vous comment cette maladie était venue? Le patient zéro, c'était qui? Soyons attentifs, soyons vigilants, ne tombons pas dans ce piège, ne soyons pas si naïfs, ne soyons pas si désarmés, ne soyons pas si indélicats en nous comportant comme ça. Hare comme fala on yeta de jama la Guinée, minani ka video jiton wopere no yowtu de halaji din, soso, pulal, ko manin ka woni minanal no yowteto. Donc andi di na'i ko wonu wala e majji. Si tayno di na'i pikama wano naunare ma poson. Be hendi ke di be hirsi di ado di mayo de den naunare don be wallini ono ngi tingi ngute wudo nabi ka be ngure mon on nyame dum do tawara ko consequence taw don hara do wawi no gasa wadan de di si konko nyamo don ko tawata hirsi raka inde Allah on jibe mo won don jettude don
hirsira dum inde din sheitanuji mabbe din ido ngandi dum don konta tuni tan tawa du'a mo jabetake ido ngandi konko nyammin don dembe ngure modon gondum alla wado ita hande kadi tikere makko den don do yana e modon watta yin yila moja jama si di arabe adda be hirsana en nai guluji guluji be wallina di kaleedi wata o memo wata o ato fes accite don jigaaje de be wadati be wadi be fara yo wonuden hande kadi den jigaaji iwoye ka do aranyama si di ari de nyami sadaka mabbe on boni hande kadi be burti hande kadi jibaade paske ko be wadiri ko fiyo jama yimbe aranyama kana be nyamu be don berde mabbe maya idon ganditi tam messi alfa ko ne me yeti non ciofe babbi ko wada konka pompiji fiyo yimbe be yaru dun don hande kadi ara goto wawla ta wada ta ifus aw be do ko jigaaje be fala o wattude wota o memo fesko ona addede dum milani tora yewtere nen kon ko tawata kon sori be nodditama kondo non be nodditira be andali be yanay do jon non kadi e piège paske wonno be interieur hande kadi mobilisama fiargo sécurise kanko lamu makko ngum be fala andude ko hombe wondi e mabbe ko hombe woni wonda e mabbe paske be andi armée on sénitique hande do pecce tati ndem feccere tawnde ino wondi e makko kanko mamadi entre guillemets ndem feccere tawnde yi bonnere makko nen ninsi ko messi alpha konde itanano kon e ndem feccere tawnde de yi ko daddi swada kon kambe kadi be décidi be yilti tantomo voilà pecce tati din wobbe woli fi feccere na yabere de mi wolata do fi mudum ko pecce tati fewndo hande do armée on senditi be fala non sendinirde gube e chondi ko du wadi si be nodditi do kala mo nota ki be do rebe andi hande kadi on don tawama e be dogube be yehi ka burure paske hande do wobbe no nati e burure no preparanade be goy wobbe no nati e burure no preparanade mi wowla ni non goddum balde fejjuno den do wobbe sikki ko sama kala mamadi dumbu ya ko jibe ko ngo yaray be yeti ki alan foka yo wadam be hu ambe faabo alan foka c'est lui qui nous disait qu'il est journaliste. Pourquoi avoir parlé de cette crise du CNRD sans parler de ces tueries qu'ils sont en train de faire? Vous savez, quand une personne rate sa carrière, il se comporte comme un avocat. D'ailleurs, ça ne vaut même pas la peine qu'on parle de cet énergumène, sincèrement. Parler de lui, c'est lui accorder de l'importance. Parce que malheureusement, encore un autre produit français, Alain Foucault qui nous chantait, et d'ailleurs qui est dans cette posture de dire que l'Afrique est cette l'Afrique doit être désormais indépendante. Cette Afrique doit gérer ses richesses. Alain, qu'est-ce que tu vas dire au CNRD qui a bradé nos ressources contre des blindés? N'est-ce pas toi qui disais que M. Alpha Condé avait géré très mal les ressources de la Guinée parce qu'il y avait un tapis où on sortait les ressources d'une manière opaque? N'est-ce pas toi qui avais dit ça? N'est-ce pas toi qui avais dénoncé qu'il n'y a pas d'hôpitaux, qu'il n'y a pas de services publics, il n'y a pas d'infrastructures? Qu'en est-il de ce contrat opaque où aujourd'hui nous avons vu cet incendie que tu es en train de déplorer, où il n'y avait même pas de protection civile bien équipée? Donc en réalité, toi, on fait des commandes d'éditoriaux et d'articles que tu nous envoies alors que c'est toi qui disais que l'Afrique doit désormais être cette Afrique qui se prend en charge. Avec sa structure Mansa, pour laquelle d'ailleurs ça ne mérite pas qu'on fasse de publicité, c'est pas toi qui disais que l'Afrique doit s'affranchir? Pourquoi tu déplores le fait que la communauté internationale ne fait rien? Pourquoi tu ne t'adresses pas au Mali, puisque c'est toi qui es au niveau des gens? Pourquoi tu ne t'adresses pas au Mali, au Niger, au Burkina, pour leur dire de venir en aide à leurs frères d'armes, mais en même temps à leurs voisins? Pourquoi? Pourquoi tu déplores l'attitude de la communauté internationale que tu vilipendes à longueur de journée, que tu dis qu'ils ne sont pas du tout sincères? Ah, donc finalement, quand on est dans des difficultés, on fait appel à ces personnes-là, qu'on dise pourtant sortir de nos territoires, de notre continent. N'est-ce pas toi qui disais ça? N'est-ce pas toi qui es en train de diaboliser ces Occidentaux en général, qui t'ont nourri d'ailleurs, qui t'ont formé, qui ont fait de toi ce que tu es? Quand tu étais sorti de ton Cameroun dictatorial et que tu avais atterri en France sans moyens, qui t'avait hébergé? Qui t'avait aidé? Aujourd'hui, tu oublies tout cela parce que les intérêts ont divergé, puisque désormais, tu as une autre main qui te nourrit. Tu vas maintenant auprès de ces putschistes qui sont en train de tuer leur peuple. Parlons justement de tuer son peuple. Qu'est-ce que tu dis de ces manifestants qui ont été tués, ou parfois même de non-manifestants qui ont été tués dans leur propre maison? Des enfants à la fleur de l'âge, des innocents. Tu ne parles pas de cela? Là, tu la fermes, quoi.
Là, ça ne t'intéresse pas. Lorsqu'on bâillonne les médias, lorsqu'on muselle les médias et qu'on fait une restriction sur Internet, ces moyens de communication, pourquoi tu n'en parles pas? Pourquoi là, tu l'ouvres pas? Mais quand il s'agit de défendre ces criminels, ces sanguinaires, là, tu es capable. Tu inspires vraiment la nausée, toi. Tu es vraiment nauséabond, sincèrement. Quand j'ai vu ton article que tu as pondu là, ce chiffon, j'ai eu une honte pour cette profession. Parce que c'est des gens comme vous qu'on disait qui nous inspiraient. Lorsque tu faisais tes articles alambiqués où tu es en train d'opposer les ethnies les unes contre les autres, des articles dans lesquels tu disais, c'était comment d'ailleurs t'appelais ta connerie là, comment elle s'appelle d'ailleurs sur RFI, comment elle s'appelait d'ailleurs là, dites-moi comment s'appelle son truc là, là où il a parlé de Diallo Télé, où il a parlé de ses leaders africains. Nul n'a le droit d'effacer l'histoire d'un pays parce qu'il ça se voit combien de fois tu n'étais pas du tout sincère dans ce que tu faisais et tu ne faisais que le jeu justement de ce colon qui était en train d'opposer les uns contre les autres. Tes articles contre Dadis Camara, que d'ailleurs tu ridiculisais, tu le tournais en dérision. Comment s'appelle son chiffon là? Comment s'appelle son truc là, son machin là qu'il faisait? Archives d'Afrique. Les archives que vous avez faites à votre, c'est taillé sur mesure à votre façon. Pourquoi tu ne sors pas ce qui est là, là, actuel, là? Tu ne sors de ça, mais quand il s'agit d'ouvrir ta gueule, ton bec, là, tu es capable. Au lieu de nous parler de l'essentiel, tu es vraiment quelqu'un de... Tu es satanique. Sincèrement, c'est des individus, c'est des rejetons comme vous qui ont souillé l'Afrique, qui ont fait que l'Africain n'est pas en train de briller. Parce que vous êtes allé dans l'école du colon, dans l'école de ce négrier pour aller vous former. Maintenant, vous revenez, vous déversez sur nous, les Africains. Vous revenez dans vos pays, dans vos structures, prendre comment... C'est dit, tout ce qui vous importe, c'est comment nourrir votre pensée, c'est comment remplir cette pensée-là. Vous vous en foutez pas mal de l'origine de l'argent que vous avez. Tout ce qui vous incombe, c'est comment vous nourrir de manière illicite. Et des jeunes sont en train de vous prendre comme des modèles et penser que vous êtes en train d'aider l'Afrique. Mon œil, vous êtes en train d'enfoncer l'Afrique encore davantage. Sinon, comment d'une main dire à l'occidental de sortir et de l'autre main critiquer que cet occidental-là nous aide? Vous pensez qu'ils sont là pour nous aider? Ils n'ont pas leurs propres problèmes? Alors, assumez vos positions. Quand vous avez dit que vous vous assumez, assumez-les, allez jusqu'au bout. Lorsque vous dites de chasser l'occidental, lorsque vous dites désormais de nous prendre en charge, allez jusqu'au bout. Prenez l'Afrique alors en charge. Gérez cette crise-là. Vous allez la gérer tout seul. Personne ne viendra vous aider. Parce qu'avec la crise économique mondiale, chacun est en train de se préoccuper de son peuple. Pendant ce temps, vous êtes en train de tuer vos peuples. Pendant ce temps, vous êtes en train de massacrer vos peuples. Pendant ce temps, vous êtes en train de protéger vos palais. Pendant ce temps, vous êtes en train d'acheter des blindés. Pendant ce temps, vous êtes en train de dilapider les ressources. Pendant ce temps, vous êtes en train de brader ce que nous avons pour les générations futures. Pendant ce temps, vous êtes en train de nous réhabiliter des sanguinaires. Toi d'ailleurs, tu devais avoir honte, toi qui as dit des choses très mauvaises sur Sékou Touré. Aujourd'hui, tu es en train de collaborer avec un régime qui est en train de réhabiliter Sékou Touré. Sincèrement, tu es la pire catastrophe de l'Afrique, toi Alain Fouta, et tout est semblable. Des journalistes vendus et corrompus comme vous. C'est de vous que l'autre est en train de parler, Alpha Blondy, dans ses chansons. Vous êtes bêtes et méchants. Vous êtes bêtes et méchants. Vous êtes bêtes et méchants. Malheureusement, il y a des jeunes dans des universités qui écoutent vos discours haineux, manipulateurs, et qui vous prennent comme étant des modèles. N'écoutez pas ces vendus, n'écoutez pas ces cons, parce qu'ils sont en train de nous rendre encore plus bêtes, plus sauvages qu'on l'était. Voilà, je m'arrête là et vous m'excuserez vraiment le temps, parce que je suis très remonté pendant que l'heure est grave, pendant que ces gens-là sont en train de s'entretuer entre eux, pendant qu'ils sont en train de se faire des coups foireux. Le monde aujourd'hui est en train de faire un front commun pour juguler la crise économique mondiale. Et en Guinée, regardez le gouffre dans lequel on nous a mis. Alors, si Mamadi n'a pas été très explicite sur la crise qui s'abattra sur la Guinée, vous avez vu les systèmes qui sont allés en Sierra Leone pour aller puiser du carburant. Le carburant qu'on amènera là ne sera pas du tout vendu au même pied, au même prix. Attendez-vous à une hausse du carburant dans les jours à venir, vous allez voir. Ils sont en train de rédiger le décret qu'ils mettront à votre... Ils vous feront écouter ce décret, vous allez voir. La communication de Gomu, c'est pour vous préparer déjà l'esprit. Pour vous dire que il y a pas de taxes, nous avons rien, tous les ministères sont à l'arrêt, il y a pas d'activité économique, rien ne marche,
Le transport est à l'arrêt, il a parlé de ça. Ils sont allés puiser du carburant. Et vous connaissez très bien, le prix du carburant en Sierra Leone n'est pas le même en Guinée. Déjà, la Sierra Leone vit une inflation qui ne dit pas son nom. Et c'est là-bas le premier endroit où ils sont allés pour prendre du carburant. Lorsque ce carburant-là sera dans les pompes, vous ne l'achèterez pas au même prix. Comme je vous ai dit, c'était l'aubaine, c'était l'occasion, c'est l'argument que le CNRD utilisera pour augmenter le prix du carburant. Et c'est vous qui allez payer ce contribuable. Ces bœufs qu'ils ont immolés là, où ils ont pris cet argent-là, c'est sur vos contributions, c'est sur ce que vous avez donné lorsque vous étiez en train de chercher de l'emploi. L'argent qu'on vous a soutiré pour dire que c'est des frais d'études de dossier, c'est de là que le CNRD a pris pour acheter ces bœufs qui sont en train aujourd'hui d'égorger des carcasses pour tout simplement satisfaire leur fétiche. Disons non à cela, n'acceptons pas cela. Voilà, je m'arrête là. Arrête, nous on n'a pas comme hier, tout le carburant mobe be jetto yon salon sibi addi mo do deja taw carburant on nala budo ko hande do goddo ma ha jaka yi dum on yi ndiyam labu dangi tun dam fodani na yite dimmel mudum kanyum kadi on carburant on ngiden andi Sierra Leone buddin ko jelu si ari hewti do na pri goto be prepare ni decree mo be jangano to wonde ma carburant on cogumo sattai on nani ko wowri do ko wowli ko tawno o ya wowlado fe fa fe.